m'a amené à participer à Passe Croisée aujourd'hui, c'est que j'ai vu les précédentes émissions et lorsque Jean-Marc m'a contacté, j'ai trouvé très sympa cette émission car ça met vraiment en relation le Stade Toulousain avec les restaurants de Toulouse et la vie à Toulouse. J'ai choisi de vous réaliser aujourd'hui les boulettes de la mama et linguine. C'est un plat qu'on avait dans notre restaurant l'année dernière. Et c'est un plat qui a vraiment fait un tabac. Et je souhaitais faire ce plat parce que c'est sympa d'associer les pâtes à un restaurant d'un club de rugby où je sais que l'alimentation elle est particulièrement basée là-dessus. C'est assez simple, c'est un plat qui rappelle vraiment l'enfance. On va d'abord préparer les boulettes. C'est de la viande hachée avec plusieurs ingrédients. On y met du fromage râpé italien, on y met de l'ail, on y met de la chapelure, des œufs et on y met vraiment beaucoup de goût. À côté, on l'accompagne d'une sauce tomate qu'on travaille avec des tomates italiennes et une garniture aromatique, des oignons, des carottes, du céleri et un bouquet garni. Et on accompagne ça de linguine. Ce qui évoque le Stade Toulousain pour moi, c'est beaucoup de choses parce que moi je ne suis pas originaire de Toulouse, je viens de Normandie et quand je suis arrivé ici, eh bien, tout le monde vibrait pour le Stade Toulousain et on a vraiment l'occasion quand on travaille dans Toulouse de voir les joueurs du stade et c'est vraiment une relation particulière qu'ont les Toulousains avec le stade et avec les joueurs notamment. J'ai été amené à participer à Passe Croisée parce que j'aime bien la cuisine et voilà, ça me fait plaisir de participer à cette émission. C'est un feuilleté avec fondu de poireaux et saumon. À côté, il y aura une crème au lard et un lard croustillant. Et j'ai choisi cette recette parce que j'aime bien le faire à la maison quand j'ai des amis. Et voilà, c'est facile à faire. Et bon. J'aime bien inviter les amis pour partager un bon moment autour d'un bon plat. Et en tant que sportif professionnel, c'est important de faire attention à ce qu'on mange, mais on peut se permettre quelques écarts de temps en temps. Ça fait du bien à la tête. Et voilà. Mais c'est vrai que ouais, pour question énergétique, il faut faire attention. Ouais.